Bienvenue à toutes et à tous sur Kanamarak dans cette nouvelle vidéo. Veuillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment naviguer rapidement sur Internet via l'utilisation de votre appareil Android. Aussi, comment sécuriser la connexion Wi-Fi et aussi mesurer son signal. Alors, pour ce faire, on va utiliser une application dite Docteur Wi-Fi. Le lien pour la télécharger et l'installer, vous le trouverez sur mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Alors, vous pouvez mesurer la vitesse de votre connexion. Pour ce faire, vous allez choisir ici vitesse et toucher ici commencer le test. Vous allez choisir le ping ou le téléchargement ou le chargement. Vous pouvez aussi mesurer le signal de votre connexion Wi-Fi en décibels. Vous pouvez avoir moins ou plus parce que le décibel ou la puissance relative mesure la différence entre la puissance émise et la puissance reçue. Ici, vous avez Wi-Fi. Vous avez ici toutes les informations qui concernent votre Wi-Fi et les appareils qui sont connectés. DNS, c'est ça ce qui nous concerne. Les DNS, c'est eux qui traduisent un nom de domaine en adresse IP. Ça veut dire que vous allez taper sur votre navigateur un nom de domaine. C'est ces DNS qui la traduisent en une adresse IP pour atteindre le site recherché. Ces DNS, il existe beaucoup. Changer le DNS et choisir celle qui convient à votre région. Vous allez toucher arrêter ici. La première fois, vous n'allez pas y trouver arrêter parce que c'est la première fois que vous allez utiliser l'application. Donc, vous allez toucher ici et vous allez ici une liste de plusieurs DNS proposés. Les plus connus, c'est les DNS Google et d'autres DNS. Pour choisir un, on va prendre par exemple OpenDNS, il suffit de le toucher. Touchez ici démarrer et vous remarquez que les valeurs ici changent. Après, vous allez avoir ici une clé. Ça veut dire que vous utilisez un VPN. Ce DNS utilise un VPN. Maintenant, donc la remarque, aucune accélération de ping significative. Et le ping, comme vous savez, c'est le temps de réponse entre votre PC ou votre smartphone et le service qui héberge le site que vous demandez. On va choisir un autre DNS. Pour choisir un autre, premièrement, il faut arrêter celui qui est en cours. On touche ici. Puis toucher ici la liste. On va essayer DNS Watch. Donc voilà, les valeurs changent. Puis on touche démarrer. La remarque, aucune accélération de ping significative. Ça veut dire donc ce DNS n'a pas ping accéléré. Pour votre part, vous allez essayer. Il y a ici une grande liste. Vous pouvez choisir celle qui convient pour votre région et l'utiliser. Ainsi, donc, vous allez augmenter rapidement la navigation sur Internet à partir de votre smartphone Android. Ici, vous avez sécurité. Ça va vous permettre de vérifier la sécurité de votre connexion ou de votre réseau ou de votre routeur. Pour cela, vous allez venir ici et toucher vérifier la sécurité. Donc, il y a la vérification des pings, sécurité SSL, certificat, aucun point d'accès factice ou pas de fraude ARP. Donc on attend, voilà, donc aucun risque détecté. Ce réseau Wi-Fi est connecté à, ce réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, aucune attaque de l'intercepteur. Donc comme vous avez remarqué, cette application très utile et très pratique, donc il faut l'avoir sur son appareil Android pour naviguer premièrement très rapidement sur Internet, vérifier la sécurité de votre connexion, mesurer la vitesse de votre connexion ainsi que le signal. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.